Et salut à toutes et à toutes, ici Petit Seb, j'espère que vous allez bien. Et je vous souhaite un bon retour sur Resident Evil 0, en compagnie de Rebecca et de Billy cette fois-ci, puisque je bouge pas mal Billy depuis le dernier épisode. Hein, j'ai décidé de le mettre un petit peu plus en avant, que ce soit pas Rebecca qui prenne tout dans la tête à chaque fois. Et on a massacré un zombie sans suie à l'aide d'un cocktail Molotov, c'était magnifique. Je vais laisser ça et ça ici. J'emporte le reste avec moi. Je vais appuyer sur ce bouton-là. Alors, appuie dessus, oui. D'accord. Arrêtez la musique, il est en dessous. Peux continuer ou aller voir ce qu'il y a au fond. Ouais, ok. Ouais. Je suis pas convaincu là. Alors, croissance des sangsues. Le 3 février. Le virus T administré à 4 sangsues. D'abord poussé au parasitisme, puis à la prédation. Ensuite, elle se reproduit, se multiplie. Aucun changement malheureux. 10 février. Le nombre a doublé. Donc ils sont passés de 4 à 8. En une heure. Mais leur appétit insatiable les pousse au cannibalisme. Ils augmentent la quantité de nourriture, mais ils ont déjà perdu 2 spécimens. Donc 6. Test avec nourriture vivante et perte de la moitié de l'effectif. 3. Agissement collectif, consomme ce qu'on leur donne. Un employé a découvert par hasard mes expériences. Un humain peut-il servir de nourriture? Comment vont réagir les sangsues? Un jour a marqué d'une pierre blanche. Aujourd'hui, elles ont commencé à m'imiter. Elles reconnaissent leur père. Prodigieuse créature. Personne ne vous fera de mal. Toxique, serrure activée, ça peut-être. D'accord. Faut que je trouve quoi mettre là-dedans pour pouvoir évacuer le gaz. Je récupère ça, je vais tout ramener après à dans la salle de derrière, histoire d'être tranquille. Oh, le monte. J'attends parce que je vois rien là. On dirait que je les ai tous su. Ah, il y a encore une bouteille en verre. Je vais pouvoir la mixer avec le reste d'essence pour faire encore plus de cocktail Molotov. Alors, je peux pas aller dans la salle d'à côté pour le moment. On dirait.
du soin. On va le laisser là pour le moment. Encore du soin. Tu me récupères. C'est pas la chose étrange, ce que je veux, c'est le soin. Co-fondateur avec le président Spencer d'Umbrella, disparu depuis 10 ans, les résultats de ses recherches ont été étouffés pendant tout ce temps. Nous avons compris pourquoi ici au centre dirigé par le docteur Marcus. Enfin, pas exactement ici, mais au sol. En nous y aventurant, tout est devenu clair. Des preuves des recherches du docteur Marcus sur un prototype de virus T baptisé Précurseur. Expérience ignoble sur les employés de la société utilisés comme cobayes. Il y aurait au moins 20 individus concernés. Certains ont été directement éliminés pour garder le secret. Une vingtaine de zombies sans su. Ces créatures vivent et continuent de se développer dans l'ombre. Ces choses, le fruit de ses recherches, infestent le centre. Très bien. Là, ça fait. Hop, il y a un trou. Ça ressemble fort à une sangsue. Oui, je vais envoyer quelque chose à la bibliothèque. Je vais envoyer ça. Histoire que Rebecca puisse se défendre contre le zombie sans su du couloir. Et moi, je vais aller... déposer ce que j'ai trouvé à côté. C'est celui du dessous. Oh là là, c'est bon. En dessous, il peut pas m'avoir. Avec leurs zombies sans su. En final, je vais tout garder parce que la sans su va sûrement falloir que je la descende à Rebecca qui va faire le produit chimique pour ouvrir le tube et les cocktails Molotov moins utile. Il y a que les cartouches que j'aurais pu laisser, mais je vais pas faire un aller-retour, surtout en pleine vidéo, juste pour. Juste pour des cartouches, quoi. Je pourrais toujours le faire plus tard. Ah, donc c'est bien ce que je pensais. Je me dis, c'est bizarre, on l'a pas entendu rien dire, quoi que ce soit, mais en fait, le gars s'est bien levé. Hein, si je me trompe pas. Voilà. Et pendant que j'étais en train de faire mumuse avec Billy, elle l'a descendu. Les soins dans la salle, c'est peut-être pas une chose judicieuse, mais bon. Allez, croisons les doigts. Je sais pas où il est. Allez, petit. Allez, encore un peu.
J'aurais dû lui mettre une balle pour qu'il se transforme avant de. Du coup, j'ai utilisé 3 cocktails Molotov pour rien. Enfin, 2 pour rien et. Porte bleue avec la truc de sangsue. Celle que j'ai récupérée là-haut, c'est celle d'ici. C'est ce que je pensais. C'était simple. J'ai fait du décapant direct. Alors là, il y a un truc au grappin encore. Et apparemment, c'est fermé. Je peux pas y aller de toute façon. Là, il me faut un. Il me manque le dispositif rotatif au milieu. Oui, du coup j'ai vu qu'il y avait du rouge et du vert en haut, il y a du rouge en bas, il y a sûrement du vert aussi mais que j'ai pas trouvé. Et ce qui nous fait du décapant. Oui, on va envoyer. Ceci. Voilà, j'utilise le décapant, je vais récupérer ce qu'il y a dedans. Vu que j'ai vu c'était bleu, je suppose que ça ouvre la porte du bas. Je l'ai combiné direct avec le décapant. Amulette sangsue bleue. Voilà. Du coup, est-ce que j'ai vu le tube de substance verte? Pas ici en tout cas. Là, c'est le pour grimper. Ah, là, c'est pour sauvegarder, c'est le monte charge. Okay. Donc, soit j'ai raté le vert, soit il est plus loin. D'être ici en tout cas. Substance rouge dans le mélangeur. Hop. Hop. La sangsue bleue dans le trou de sangsue de la porte bleue. Et maintenant, question, qu'est-ce qu'il y a derrière? Wow, le tableau a l'air glauque. Femme amoureuse d'un mort. Ok. Y'a un truc là. Bobine d'entrée, merci. Ah, une photo. À James, sans souvenir de ta remise de diplôme 1939. That guy must be Marcus's son or grandson. Elle est en train de supposer que le gars qui attaque avec les sangsues et tout et le fils de Marcus ou le petit ou son petit-fils. Quelque chose dans la cheminée. De mystérieux objets flottent sur le. Je préfère pas savoir ce que c'est. On se croirait encore dans une salle de sauvegarde. C'est ça qui me fait bizarre. Vu de machine à écrire. Non, il y en a pas. Il y a un cul-de-sac derrière. J'aime pas ça. Bonjour, c'est l'infirmière.
c'est fait. Pourquoi je le sens mal, le coup de la sangsue qui est posé comme ça sans rien demander à personne? On dirait qu'il n'y a pas d'autre objet en plus dans la salle. Il n'y a vraiment rien d'autre. Bon bah salut. En plus il s'est rien passé donc c'est chouette. Salut, je m'en vais. Je vais aller donner la sangsue verte à Billy. Et comme ça, lui pourra aussi rentrer dans sa salle. La salle Marcus, entre guillemets, on va dire. C'est les portes avec la tête de Marcus dessus. J'avais d'autres choses à lui donner, non pas vraiment. Ça je vais le laisser par terre parce que ça va me permettre. Je sais pas pourquoi je lui donne ça, je sais pas si c'est utile. Je sais pas où ça va en fait. C'est un fusible d'entrée, c'était ça? Je sais plus. Il va me le dire, c'est quoi? Bobine d'entrée. Bobine, c'est un truc pour commander de l'électricité. C'est peut-être pour faire démarrer le monte-personne, comme je disais tout à l'heure, que l'on a trouvé. Où est-ce qu'il a. Ah, si elles sont là, les cartouches, je disais mince, je vois plus les cartouches que j'ai posées. Ici, ça me plaît. Le bruit que j'entends par contre me plaît pas. Est-ce que je vais avoir une bonne vue sur le zombie? Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait aussi. En plus, il y a des munitions, c'est magnifique. Ça c'est quoi? Ah, ça doit être le truc pour la agence stérilisante, pour la ventilation. C'est ça. Vider la chambre à gaz. Bon, bah on va aller vider la chambre à gaz alors. Je sais pas si c'est nécessaire, mais.
J'oublie que j'ai des cartouches ici à récupérer aussi. Lui, il se lève toujours pas. Il va se lever qu'une fois que j'aurai mis le truc là. Je disais mince, il veut pas le mettre. Allez, mets-moi ça en route. Il y a un zombie dedans aussi. Il y a une espèce de clé, on dirait. Ça va me rentrer juste dans la pièce ou... Clé de la salle d'élevage. Ok. Bon, eh bien, moi je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. On a récupéré une clé de la salle d'élevage, on dirait une tête de tigre ou un truc comme ça. Donc j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un joli commentaire si ça vous fait plaisir, à me suivre sur Twitter et Facebook. Les liens sont juste en dessous dans la description. Et nous, on se retrouve la prochaine fois pour la suite des aventures de Rebecca et Billy. Allez, salut tout le monde!